Moi, c'est ce qui me surprend chez moi, par contre. C'est qu'on peut dire quand même que 2009 était un vin solaire, enfin un millésime au moins solaire, et j'ai pas la sensation de sentir l'alcool dans mes vins. Il fallait quand même, et d'ailleurs comme tous les ans, respecter le pinot. Alors, c'est quoi respecter le pinot, Eh bien, ça veut dire préserver la fraîcheur, limiter, pas vendanger trop tard pour. Limiter, je dirais, justement, l'effet surmaturité et en même temps engendrer un côté alcoolique trop important. Et bon, ben moi, ça, c'est ma philosophie. C'est pas la philosophie de tout le monde aujourd'hui, mais. Sont à la maison des vinifications, je dirais, classiques, puisqu'il y a eu du tri déjà au niveau de tous les raisins en surmaturité, qui tapaient entre 18 et 20 degrés au niveau de l'alcool naturel. Et par contre, c'était des raisins qui sentaient le pruneau. Ça t'a éliminé? Donc, alors ça, ça a été éliminé d'office. Oui, encore une fois, parce que tout ce qui est en surmaturité, ben ça c'est parti et ça a préservé ma fraîcheur, ça a tout préservé, quoi. Mais c'est vrai qu'en rentrant des raisins, je dirais, à point, on a moins de, effectivement, moins d'alcool, mais on a plus d'acidité. Donc l'acidité amène quand même un plaisir gourmand, rend les vins plus digestes. C'est 14 quêtes là. Bon, ben même si ça fait 14. Ça serait déjà pas mal. Hein. Qu'avec ma méthode, entre parenthèses, on a quand même plus de réussite que certains de mes collègues. Et on respecte le pinot et on met également les terroirs qu'il ne faut pas oublier en valeur derrière. Toute la différence qu'il y a entre les terroirs, qui peuvent être malgré tout très rapprochés les uns des autres, et qui donne donc ces différences entre chaque appellation.
Mais je veux dire, le dessus des Échézeaux et la première parcelle de Beaumont, il y a 3 mètres. La largeur du chemin de terre. Et les vins sont différents. Les vins sont différents parce que les Beaumont, sur le Beaumont de la minéralité en fin de bouche, que n'a pas l'Échézeaux. L'Échézeaux, c'est tout en finesse, en rondeur et une très longue persistance en bouche et dans la finesse. On est plus, je dirais, sur Échézeaux, sur donc des notes de fruits rouges ou fruits noirs, suivant les millésimes, ou des fois les deux associés. Alors que Beaumont, il y a du fruit, c'est plus fruit rouge avec un fruit rouge avec ce côté un peu légèrement acidulé, mais on a la minéralité qui est là en fin de bouche. Quoi. Malgré tout, le Croparentoux, si le sous-sol du Croparentoux est semblable, je dirais, à celui du Beaumont, il est plus froid parce que le Croparentoux est aussi situé juste au-dessus de la combe brûlée. Alors, un vin nettement plus puissant que le Beaumont. Une puissance avec une puissance qui peut s'exprimer assez fortement, mais en même temps avec de la finesse. Ce qui donne un vin avec dans l'ensemble des millésimes une belle harmonie. C'est pas la brute épaisse, quoi. C'est pas. Parce que malgré sa grosse carrure, je dirais que en fin de bouche, il a une certaine gentillesse, si vous voulez. Personnellement, c'était quoi ta cuvée coup de cœur de ta cave ? Échézeaux. Ah ouais, Échézeaux 2009, parle-nous-en un peu. Alors, Échézeaux 2009, les dégustations que j'ai pu faire en fût, là, c'était vraiment... Un vin, je connais très bien mes Échézeaux, mais là, j'avais jamais ressenti cette profondeur dans le vin. Quoi. Quand on goûtait au tonneau, on était dans la terre, on avait l'impression d'être pratiquement hypnotisé par le vin. Quoi. Sur 20, je veux dire, on peut pas aller plus loin. 19,5 comme pour les Échézeaux, on se dit, on peut considérer qu'on est à la perfection aussi, mais au final, c'est quoi la perfection ? C'est toujours un vin. Ben oui, moi, franchement, j'ai pas de réponse à ça, même si tout ce qu'on attend du vin est là, et c'est probablement ça la perfection. Mais si. Et si vous avez noté l'émotion, c'est peut-être parce qu'il a une émotion. Alors je pense que ça fait partie intégrante, ça, effectivement, de la note. Parce qu'il y a eu. Il y a eu une grosse vibration, là, une grosse sensation, et ça, je pense qu'effectivement,
ça fait partie de la note. Oui, mais bon, ce qui revient effectivement, qui est toujours mis en avant, c'est la pureté à la fois du fruit et de la couleur. Et ça, effectivement, ça surprend beaucoup. Ah, oh, waouh. Ah oui, j'ai jamais bu ça, j'ai jamais goûté, ou j'ai pas de référence pour me rappeler d'un truc comme ça, quoi. Après la sortie de cette fameuse revue, bon, c'était, je vous dis, en moyenne 25 coups de téléphone par jour. Donc, c'est la Bourgogne, il y a de nombreuses appellations, des surfaces toutes petites. Donc, quand on veut du Croparentoux, par exemple, vous n'allez pas aller en chercher dans 50 domaines, on n'est que deux à en avoir. Donc, mais aucun musée et moi. Donc, le tour, il est vite joué, quoi. Non, mais bon, c'est un millésime qui va se refermer dans, je ne sais pas, peut-être l'année prochaine, dans 18 mois. Mais il y a toujours une période après la mise en bouteille et avant que ça se referme où on est encore sur les notes de ce qu'il y avait dans les fûts, quoi. Pour celui-là, de millésime, c'est quand même un très grand millésime, mais qui, pour qu'il soit vraiment très grand, je pense qu'il faut être aussi très patient quant au vieillissement.